Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Donc, moi je suis Julie, je suis donc éducatrice de jeunes enfants et auxiliaire de puériculture de métier. Et je travaille actuellement en tant que référente technique au sein d'une micro-crèche dans le Nord Aveyron. Peut-être que pour commencer je peux vous parler un petit peu du métier d'éducatrice de jeunes enfants. Donc l'éducateur de jeunes enfants, c'est un spécialiste de la petite enfance, c'est-à-dire des enfants d'une tranche d'âge de 0 à 7 ans. Et le rôle de l'éducateur, c'est d'accompagner l'enfant dans son développement, tout en tenant compte de sa situation familiale, de son histoire et de l'environnement dans lequel il évolue. Et tout ça en l'accueillant dans une structure au sein d'une collectivité. Ce que je peux dire d'un éducateur, c'est qu'on est amené en fait, à accueillir l'enfant et l'accompagner tout au long des activités du quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on s'en tient à proposer seulement des activités peinture, pâte à modeler, dessin, etc. C'est vraiment l'accompagner tout au long de sa journée. Donc ça peut être des activités de lecture, de comptine, manuelles comme je disais, mais aussi ça englobe tout ce qui est les activités du quotidien, les temps de repas, l'échange, les couchers, voilà, le jeu libre, tout ça c'est vraiment sur tout au long de sa journée. Ce que je peux dire d'autre sur le métier d'éducateur, c'est qu'il peut travailler, déjà on travaille au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance, donc on trouve souvent dans une structure des éducateurs de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture, des CAP petite enfance. On peut aussi trouver des puéricultrices à certains endroits, il y a même des fois des infirmières. Voilà pour l'équipe. L'éducateur de jeunes enfants peut travailler donc dans plusieurs structures, donc les micro-crèches, crèches, halte-garderies, mais aussi les relais d'assistante maternelle, donc faire le lien entre le relais et les assistantes maternelles. Mais aussi dans les pouponnières, les ludothèques, les services de pédiatrie dans les hôpitaux, les foyers de l'enfance. Il y a également des éducateurs de nos enfants qui travaillent au sein de structures où on peut accueillir des enfants atteints de handicap. Donc c'est assez varié. L'éducateur de nos enfants peut aussi être directeur, en tout cas référent technique d'une structure, donc sous la responsabilité d'un gestionnaire ou d'une coordinatrice petite enfance. Ce qui veut dire qu'en plus du quotidien auprès des enfants, il a aussi un rôle de management auprès de son équipe et une partie administrative. Et dans cette partie administrative, c'est les rencontres avec les familles, les préinscriptions, les inscriptions, les factures, voilà, tout ce qui est la partie administrative en fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'après, pour être éducateur de nos enfants, il faut quand même avoir certaines qualités. Je pense qu'il faut être patient, je pense qu'il faut être patient, à l'écoute, être bienveillant, être dans l'apathie, être organisé, voilà, aimer le travail en équipe, voilà, et aimer prendre le temps de l'écoute, l'observation. Que dire de plus? Ce que j'aime dans ce métier, je pense que c'est déjà que le métier de la petite enfance, c'est de l'humain, donc c'est ce contact avec les enfants. Et c'est le fait que même si les journées ont toutes un déroulement identique, finalement, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et donc je pense que c'est vraiment ce qui me plaît dans ce métier. Et l'échange qu'on a avec les enfants, parce que c'est spontané, c'est dans la simplicité, ils sont insouciants. Et donc vraiment, on se laisse porter par ça. Et c'est vraiment ce que j'apprécie de ce métier. Et peut-être ce qui me paraît être un peu plus délicat, c'est peut-être les approches avec les familles, parce qu'on n'est pas là, de par nos connaissances et notre formation, à dire vous devez faire comme ça ou comme ceci. On est vraiment là pour les accompagner, les aider à répondre à leurs questionnements et leurs pratiques, tout en adoptant une posture qui soit juste, voilà, sans jugement et sans imposer les choses, mais vraiment dans ce rôle d'accompagnement. En fait, voilà. Et ce que je pourrais retenir de ce métier, si j'avais vraiment quelque chose à garder en tête, j'ai pas d'anecdote bien particulière à donner, mais voilà, je pense que c'est vraiment le fait d'échanger avec ses enfants au quotidien, et finalement on est
tous les jours avec eux, aucune journée effectivement est identique. Et c'est vraiment que dans ces observations, par rapport à leurs remarques, à leurs questions, à leurs attitudes, y a des jours où on peut être amené, y a des choses qui peuvent nous faire rire, comme il y en a d'autres où, qui peuvent être surprenantes, et puis comme il y a des fois où ça peut nous amener à nous questionner. Et en fait, voilà, j'ai envie de dire que si j'ai quelque chose à garder de ce métier, c'est vraiment ces relations avec les enfants, cette simplicité, cette insouciance, la spontanéité qu'ils ont, et le fait que voilà, rien n'est identique. Aucune journée se ressemble, ils sont tous différents, et il y a tellement de choses à prendre de chacun, en fait. Voilà. Et voilà, sur la formation, enfin, sur le métier d'éducateur, donc si vous aimez les enfants, j'ai envie de vous dire, allez-y, formez-vous, renseignez-vous, allez sur le terrain, parce qu'en fait, on apprend beaucoup au contact des enfants, et je pense que c'est un métier qui est très enrichissant, en fait. Donc moi c'est Marie, 37 ans, je suis agent de crèche avec un CAP petite enfance. Avant j'étais auxiliaire de vie pour la DMR. J'ai changé totalement d'orientation suite à mes grossesses et à mes enfants. Donc j'ai pris conscience en lisant des bouquins, vraiment en faisant des recherches, que c'est ce que je voulais faire en fait, la petite enfance. Et donc je suis à la crèche depuis septembre 2016. Voilà. Ce que je préfère dans le métier, c'est vraiment la relation avec les enfants, la complicité, le regard qu'ils ont quand on leur lit un livre, le sourire, les rires quand on joue avec eux. Ce que j'aime le moins, c'est plus le côté ménage. Mais bon, il faut le faire. Et puis, hors contexte Covid, il n'y en a pas tant que ça non plus. Et ce que je préfère le moins, c'est les transmissions et les relations avec certains parents. Voilà. Bon, même si en général ça se passe bien, il arrive des fois où certains parents, ça passe moins bien. Et si j'avais un souvenir, ce serait une petite fille qui s'était arrêtée en fait, d'évoluer, qui s'était complètement mise en stop. Les médecins pensaient qu'elle ne marcherait jamais, et finalement, aujourd'hui, tout va bien, elle marche, elle joue. Et donc, ce que j'oublierai jamais, c'est ses premiers pas. Voilà. Bonjour, je m'appelle Lola, je travaille à la micro-crèche de la Viadène. J'ai un BAFA petite enfance, un CAP petite enfance et un BAC pro service en milieu rural. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est voir l'évolution des enfants durant les 3 années où nous les accueillons. Et ce que je préfère le moins, ce sont les gestes répétitifs, mais il y en a dans tous les métiers. Si je devais vous raconter une anecdote, ce serait que nous accueillons des enfants porteurs d'handicap. Et actuellement, nous avons un enfant qui est malentendant, dont nous avons appris la langue des signes sur le site avec mes collègues. Je m'appelle Claire, j'ai 30 ans et je suis éducatrice de jeunes enfants et référente technique de la microcrèche de l'Argence. Donc avant d'arriver ici, j'ai fait un parcours pour être professeure des écoles. Et à 25 ans, j'ai changé de voie et je me suis redirigée vers la formation d'éducateur de jeunes enfants par la voie de l'apprentissage. Donc c'est une formation à 3 ans que j'ai fait à Montpellier et qui est aujourd'hui ouverte jusqu'à 30 ans. Donc ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est vraiment qu'il est varié et que j'ai différentes missions auprès des enfants, avec les familles, des partenaires et aussi tout le côté administratif de la structure à gérer. Ce qui est par contre le plus délicat, à mon sens, c'est la gestion des conflits, quand il y a des tensions au sein de l'équipe, on travaille à plusieurs, et aussi avec les parents. Donc, une petite anecdote pour terminer. J'ai en tête un enfant qui est particulièrement enthousiaste, mais dès qu'on propose un livre, un petit jeu, il va sautiller sur place et il crie « ouais, ouais, ouais » comme ça. Et c'est vraiment à chaque fois un bon moment de joie. Et ce
ce qui est chouette de travailler avec les enfants, c'est qu'ils nous ramènent toujours au moment présent. Alors, je m'appelle Marine, j'ai 26 ans. Depuis toute petite, je rêve de travailler avec des enfants. Alors, j'ai testé plusieurs tranches d'âge. Du coup, j'ai fait des stages en maternité, j'ai fait des stages en crèche, j'ai travaillé en école maternelle, j'ai été animatrice de centre de loisirs avec du coup les 3 ans jusqu'à 12 ans. Et j'ai aussi animé des mini-camps, donc avec les ados. Et du coup, la tranche d'âge que j'ai préférée, c'est ceux de la crèche. Donc j'en ai fait mon métier, je suis titulaire de CAP Petite Enfance et du coup mon métier c'est agent territorial en crèche. Donc ça consiste à assurer l'accueil d'enfants à partir de 2 mois et demi jusqu'à 6 ans, de s'occuper de tout ce qui est hygiène, les soins, les repas. On propose aussi plein d'activités d'éveil. On les accompagne à grandir, donc en les amenant vers l'autonomie, le langage, la propreté, voilà. Et notre rôle aussi, c'est d'accompagner aussi et de rassurer les parents. Voilà. Et on a notre partie de notre métier aussi, c'est tout ce qui est ménage, donc désinfection des lieux, désinfection des jouets, voilà, toute cette partie-là. Donc ce que je préfère dans mon métier, c'est les moments de complicité avec les enfants, de les voir rire, jouer, grandir, s'épanouir. Ben, c'est vraiment la plus belle chose, quoi, de les voir, d'avoir des moments de câlin avec eux. C'est vraiment la plus belle chose. Et le côté un peu moins intéressant, des fois, c'est la partie ménage. Et la partie qui est un peu plus compliquée aussi à gérer des fois, c'est la relation avec les familles. Voilà. Donc si je devais garder un souvenir que j'oublierai jamais, ça serait un de mes premiers jours à la crèche où une maman a amené sa petite fille de 2 mois et demi en me disant que voilà, c'était sa première, c'était ce qu'elle avait de plus précieux au monde et qu'il fallait vraiment qu'on en prenne soin, qu'on fasse attention à elle, tout ça. Et pour son dernier jour, du coup 3 ans après, juste avant qu'elle rentre à l'école, quand la maman l'a récupérée, elle m'a dit qu'elle avait été ravie de ces 3 ans qu'elle avait passé avec nous, qu'elle nous remerciait pour tout ce qu'on avait fait et que pendant ces 3 années, on avait été un peu ses deuxièmes mamans. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait énormément touchée et voilà, que j'oublierai jamais. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 28 ans, je suis directeur du centre de loisirs de Mur-de-Barrès. Je travaille aussi à l'école de Mur-de-Barrès sur la garderie du matin et du soir et en pause méridienne. Je suis directeur du centre de loisirs depuis bientôt 3 ans et ça fait bientôt 8 ans, voire 8-9 ans que je fais ce métier dans l'animation. J'ai toujours voulu travailler dans l'animation. C'est pour ça que j'ai passé mon BAFA, puis après mon BFD. Ce que j'aime dans l'animation, et surtout en tant que directeur, c'est l'élaboration des projets, des programmes, et aussi bien sûr l'animation, être avec les enfants, les divertir, s'amuser avec eux. J'ai pas grand chose que j'aime pas dans l'animation, je pense que j'aime tout, que ce soit, comme j'ai dit, le côté d'animation et même... les papiers. Et voilà, après en souvenir, le plus gros souvenir que j'ai, c'est un projet que nous avons élaboré avec le centre social d'Arpajon-sur-Cère, là où je travaillais avant, donc un projet d'engagement jeune avec des ados où on est parti en Roumanie. Voilà. Au centre de loisirs de Sainte-Geneviève-sur-Argence.
Pourquoi je fais ce métier? Parce que j'adore le contact avec les gens, entre autres avec les enfants. Ce que j'aime le plus, c'est tout ce qui est créatif pour leur apporter plein de choses au niveau de la décomposition des gestes. Ce que j'aime le moins, on va dire, c'est le côté cantine, voilà, parce que c'est aussi fait partie du centre de loisirs. Et une anecdote, souvent, ce que je fais, c'est quand je suis avec les tout-petits, je fais même du tricycle avec eux, et les parents et les enfants trouvent ça très drôle. Bonjour, je m'appelle Lilian Pougier, je suis animateur au centre de loisirs de l'agence. Ce que j'aime dans ce métier, c'est le sens des responsabilités. Les parents nous confient les enfants tout au long de la journée ou sur plusieurs jours. On les aide on les accompagne à grandir à travers différentes activités variées. Ce que j'aime dans ce métier, c'est le contact avec les enfants et les parents aussi. Ce que j'aime le moins, c'est les interventions toilettes. Une petite anecdote, c'était à l'Arche du Tag, à l'Aïeul, aux pistes de l'Aïeul. J'ai bien aimé ce moment car on était en équipe, la cohésion d'équipe, avec plusieurs enfants, animateurs, etc. Et c'était un beau souvenir. Bonjour, donc je m'appelle Alexandra, j'ai 44 ans, je suis directrice de l'accueil de loisirs famille rurale au Brac-l'Aïeul depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Donc ma formation initiale, je suis arrivée dans l'animation un petit peu par le biais de l'activité que je faisais, que je pratiquais, qui était le théâtre. Donc ça remonte à plus de presque 15 ans maintenant où je donnais des ateliers théâtre avec des enfants, des collèges et des lycées dans le Tarn à l'époque. Et donc c'est par ce biais-là que je suis arrivée à vouloir travailler au sein d'un groupe d'enfants. J'ai poursuivi ma formation, j'ai commencé à faire un BATEP. Donc un BATEP est l'ancien BPGEPS qu'on a maintenant. Donc le BATEP, c'est un brevet d'état d'animateur technicien de l'éducation populaire. Et moi, j'avais l'option culturelle, c'est-à-dire que je travaillais sur tous les champs artistiques, autant le cinéma, le cirque, le théâtre, voilà, la photo, voilà, toutes les choses un petit peu artistiques. De cette formation, donc c'est créé le poste à l'Aïeul de direction. Donc c'était une opportunité en fait que j'ai saisie à ce moment-là. Donc je suis venue directrice de l'accueil de loisirs. Voilà, en gros, comment j'ai atterri à l'Aïeul. Donc ce que j'aime dans mon métier, j'aime déjà travailler avec les enfants. J'aime le travail en équipe. Et ce qui est important dans notre métier, c'est que c'est une vocation, c'est un métier qu'on aime vraiment, qu'on y est attaché pour travailler avec les enfants. Sinon, on ne fait pas ce métier-là. Parce que le petit point négatif de ce métier-là, on va dire, ce serait peut-être notre salaire. On va commencer par ça. D'où c'est important, on ne fait pas ce métier-là pour avoir un salaire à la fin du mois. On fait plutôt ce métier-là par vocation et parce qu'on aime les enfants et parce que je crois on a une âme d'enfant. Et ça, c'est important de garder son âme d'enfant et d'aimer le jeu et pour pouvoir travailler au niveau avec les enfants, les adolescents et tout ce qui est cette sphère-là. Si je devais vous donner un souvenir, j'en ai beaucoup. Un souvenir peut-être plus particulier, ce serait un projet que j'ai monté à l'accueil de loisirs avec une super équipe à l'époque et des enfants qui avaient donc de 3 à 13 ans. Et on a monté un court-métrage, donc un petit film sur 5 semaines l'été. Voilà, ce qui a valu
une super dynamique dans le groupe d'enfants et avec les animateurs, puisqu'il y a eu un rendu au top, voilà, sur un petit court-métrage qu'on a pu monter avec des moyens, des petits moyens, on a pu faire des super choses. Ça serait un petit peu le souvenir là, qui me vient en tête. Et ensuite, si je devais vous donner un conseil, alors un conseil pour les animateurs, le mot le plus fort pour un animateur, c'est savoir s'adapter en toutes circonstances, à n'importe quel moment, face à un enfant, face au temps qu'il fait, face à des imprévus qui peuvent nous arriver. Il faut que l'animateur s'adapte rapidement. Et il faut garder surtout, voilà, ce qui est important aussi, c'est son âme d'enfant. Voilà, on ne travaille pas avec les enfants si nous-mêmes, on n'a pas une âme d'enfant et si on n'est pas voilà, à fond sur ce qu'on a envie de faire et qu'on ne fait pas aussi avec le cœur. Bonjour, je m'appelle Jérémy Mirouz, je suis directeur d'un centre de loisirs à la commune d'Argens-en-Aubrac. Je m'occupe donc d'organiser un accueil de loisirs, le périscolaire et la cantine. Par rapport du coup à une thématique qu'on a du coup vue avec les animateurs et avec les objectifs du projet pédagogique. Ce que je préfère dans mon métier, c'est de faire venir des intervenants qui expliquent aux enfants des choses qu'ils ne connaissent pas, voilà, qu'ils évoluent sur cette activité-là. Ce que je préfère moins, c'est l'administratif, voilà, gérer les factures, c'est des choses un peu moins rigolotes pour ma part. Et ensuite, vraiment, ce que j'ai préféré, ce que je retiens, c'est les séjours où on découvre les enfants différents par rapport à l'école, par rapport au périscolaire. Donc c'est des expériences quand même qui sont fortes. Et ensuite, eh bien, moi j'ai créé du coup par rapport à la formation un événement sportif qui s'appelle le Family Raid. Et on a réuni du coup des équipes par famille qui devaient du coup intervenir du coup par rapport à des activités sportives, à des activités culturelles. Et c'est vrai que c'était bien parce que ça a réuni tout le monde, c'était intergénérationnel. Voilà, il y a des papis, des mamies, il y avait des mamans, papas. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses que j'ai adoré dans mes expériences, quoi. Bonjour, je m'appelle Margot, je suis animatrice au centre de loisirs de Sainte-Geneviève-sur-Argens. Je m'occupe aussi de la garderie matin et soir et des TAP. J'aime bien faire des activités créatives avec les enfants et les voir évoluer. Ce que je n'aime pas, c'est les disputes. Et si j'ai un conseil à donner aux adolescents qui veulent faire ce métier, il faut être assez attentif et à l'écoute des enfants. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jonathan Guillard, je suis le directeur des Petits Loups de Saint-Amand-Déco, donc un accueil de loisirs qui est ouvert les mercredis et les vacances scolaires. Donc, au niveau de mes diplômes, j'ai un BEP métier de la comptabilité et un bac pro compta. Après, je me suis perdu dans une année de fac de sport, donc ça ne me plaisait pas. J'avais pas le niveau. Après, par conséquent, j'ai essayé plusieurs types de métiers différents. Et je me suis arrêté sur un stage d'animateur bénévole. Ça m'a plu. Donc, par la suite, j'ai passé le BAFA et BAED. Donc, ce que j'aime dans ce métier, c'est que du coup, on est... C'est jamais la même chose, en fait. Chaque jour est différent, en fonction des enfants, des animateurs, de la structure. Donc on est tout le temps amené à s'adapter et à voir d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Après, dans ce que j'apprécie beaucoup moins, c'est tout le côté administratif lorsqu'on est directeur. Alors là, c'est vrai que les mangeurs de papier, ça c'est pas trop mon fort. Mais bon, il faut, ça fait partie du métier et des différentes tâches. Tout comme on est animateur, il y a le côté préparation qui est forcément moins ludique que l'animation en elle-même, mais ça fait partie du boulot, donc il faut y passer aussi. Après, une petite anecdote du coup qui s'est déroulée au tout début de mes années d'animation.
Donc c'était avec un groupe de petits de 3-6 ans. Il y avait un de ces enfants du coup qui faisait du vélo en autonomie dans la cour. Et on avait remarqué durant le séjour qu'il avait du mal à gérer ses émotions par rapport aux autres et il pouvait réagir de manière un peu de manière extrême. Donc il faisait son petit vélo tranquillement. Là il s'arrête, il descend de son vélo pour ramasser un caillou. Et là, il y a un autre enfant qui vient et qui lui pique son vélo. Donc, je regardais un peu la scène de loin pour voir comment il allait réagir. Et là, je vois qu'il regarde un peu partout, sachant pas comment réagir. Il baisse sa culotte, son pantalon, sa culotte, et il commence à faire pipi par terre. Et là pour le coup, j'étais vraiment explosé de rire. C'est moi qui ne savais pas comment réagir. J'ai été plié en deux parce que là, je ne m'attendais pas du tout à cette réaction. Donc voilà, c'est le genre de petite anecdote que vous allez être confronté. Parce que du coup, chaque enfant est différent et réagit différemment en fonction de la situation à laquelle il est confronté et de la personne qui est en face. Chuki chuki boy, chuki chuki yeah.